Aujourd'hui, on se trouve, on veut être à 4 journées de la fin et y avoir le dernier entraînement. On dépend de personne. Aujourd'hui, il reste 4 matchs. À 99,9%, on est dans les top 6, mathématiquement parlant. Je crois qu'on a la chance d'aller chercher quelque chose. Un match à la maison, un match de phase finale à la maison. On ne parle pas de demi ou de. Je parle de match de phase finale à la maison. Ça dépend de nous. On dépend de personne. Et sinon. On se concentre sur notre rugby, on se concentre à bien préparer les matchs. Si on fait le nécessaire, les fins de saison, il va être hyper excitant. Bah c'est hyper excitant d'être à cette place-là du tableau. Maintenant, c'est hyper serré quand même, du 1 au 5e ou du 1 au 4. Tout le monde peut basculer dans le top 3. Il y en a qui peuvent sortir du top 6, il y en a qui peuvent rentrer. Non, c'est excitant, mais bon, quand même, voilà, il faut rester sérieux, faire des matchs qui soient complets et aboutis pour préparer au mieux chaque match et puis ensuite peut-être les phases finales. Quoi. Déjà, on les a préparés. On est toujours dans la démarche d'aborder match après match. Mais nous, le staff, je crois qu'on va arriver au quatrième match bloc avec de la fraîcheur, au chi 27, c'est pas évident. Ça, certainement, ça nous permet ça, avoir une bonne position dans les classements, un groupe de qualité, des joueurs impliqués. On a priorisé sur ce bloc-là, avoir chaque match de la fraîcheur. On a eu de la fraîcheur à Aurillac, on a eu de la fraîcheur contre Montauban, on a eu de la fraîcheur à Rouen, et on aura de la fraîcheur contre Mont-de-Marsan aussi. Et aussi, on l'aura contre Valence. Quand on a un effectif pour pouvoir le faire, on a confiance dans notre groupe. Quand on gagne une équipe qui va dans les top 6, c'est pas 15 joueurs, c'est un groupe qui va dans les top 6. Et on a travaillé la saison comme ça et aujourd'hui on n'est pas loin. Mais surtout, le plus important pour les sprints finales de championnat, la fraîcheur, ça va compter. Et ça, c'est au-delà de préparer deux matchs à la maison, dans quel état de forme on arrive à ce dernier match. L'objectif, c'est clairement la demi à domicile. Maintenant, pour y arriver, faut faire des matchs complets comme on n'a pas su faire dans le passé. Donc voilà, ce week-end, c'est pareil. C'est une très bonne opportunité pour faire un gros match, pour faire un match plein contre une belle équipe de Monde qui joue aussi les phases finales. Donc je pense que ça va être très important déjà dès jeudi. Quoi. On a l'obligation de gagner les matchs à domicile. On a un rugby pour gagner les matchs à domicile, on a un effectif pour gagner les matchs à domicile, on a un public qui nous soutient. On a envie de très bien finir la saison chez nous. Si on a envie de mettre du contenu, c'est pas évident de faire 80 minutes. Mais je crois qu'on est capable. Parce que si on est capable, on travaille pour, et on veut ça. On veut faire le plus proche des 80 minutes en termes de contenu. Et si il y a les contenus, les résultats suivent après. Non, ben moi ça me plaît aussi de jouer à l'arrière parce que voilà, ça montre aussi que je peux jouer à plusieurs postes et que voilà, à l'arrière je touche un peu plus de ballons, même si quand même mon poste de prédilection c'est toujours à l'aile, essayer de bonifier les ballons, finir les coups, voilà, c'est le truc que j'aime bien faire quand même. Depuis le début des blocs, chaque match, chaque joueur il joue gros. Il y a l'aspect collectif qui est hyper important. Et après, il y a l'aspect individuel. Il y a toujours cette évaluation d'équipe, cette évaluation individuelle. Je crois qu'il n'y a personne qui peut se permettre de dire « Moi, je me gère, moi, j'ai une place chaque match qu'il joue. Il joue une place peut-être dans des matchs de phase finale, que c'est des matchs intéressants à jouer. » Je ne conseille pas aux mecs de réfléchir qui c'est qui joue en face. Plutôt, je conseille de réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire pour marquer des points, pour bien faire fonctionner le collectif. À jouer les deux premières places, donc je pense que c'est aussi... C'est aussi dû au groupe qui a pas mal changé cette saison, où on s'entend tous bien, où ça sert à, des fois, c'est pas en prenant les 15 meilleurs joueurs de la planète, tu les mets sur le terrain, il vaut peut-être que tu joueras pas des phases finales. Hein. Quand tu vois dans certains clubs qui ont des effectifs monstrueux, même en top 14 et qui sont derniers, la base du truc c'est quand même de tous s'entendre, d'avoir une vie d'équipe qui tourne bien, et ça je pense que cette année on l'a, donc je pense que ça c'est un gros point fort aussi de notre équipe. Il y a Souta qui reprend des blessures, pas encore Chostairel, pas encore, il y a Federico qui a un peu mal, qui n'est pas 100% de ses moyens, d'un coup on a des joueurs, comme je te disais tout à l'heure, un groupe assez qualitatif pour pouvoir faire des choix, être dans l'obligation de mettre un joueur qui n'est pas à 100% de ses moyens. Surtout ces matchs-là, il faut être à 100% physiquement. Cette semaine, il y a la reprise de Bogère, de Colombé, mais ils ne sont pas encore prêts. On ne veut pas brûler des étapes. Ils travaillent, ça s'améliore, mais bon, après, on a des joueurs de qualité qui jouent depuis un moment et qui ont confiance à eux et on est content d'eux. Et qui reprend des blessures, il va falloir qu'ils fassent le nécessaire pour rentrer dans les groupes qui avancent bien. Je trouve qu'on est en train d'évoluer comme public. Tout au début, moi j'avais en tête qu'on avait des spectateurs, qui à petit on les transforme en supporters. Mais ça, c'est comme partout, c'est les victoires. Il faut qu'on leur donne de la joie.
Et il faut qu'il donne des émotions. Et après, il faut qu'on s'épide sur le terrain. En tant que supporter, je me sens identifié avec des gens qui se donnent à fond, avec des gens qui sortent d'un match rancés, qui n'ont plus rien à donner au-delà des résultats. Avant tout, ça, si on fait ça, ils vont s'identifier avec nous. Si les matchs, si on est dans la difficulté, dans un groupe qui est soudé et qui est prêt à se viander sur le terrain, à se rancer, à tout donner, ils vont supporter. Et moi, avant tout, avant les résultats, je crois, il faut qu'on montre qu'on est un groupe soudé, qu'on est content de représenter le club et qu'on a envie de transmettre ses émotions.